Junior. C'est vous. Qu'est-ce que vous faites là? Oh, ben je vais faire un petit basket. Enfin, c'est complètement con, il pleut. Ah, il pleut. Ben, je vais aller travailler ma thèse alors. Hein. Bonne idée. Plan détaillé. Dans un mois. Je travaille sur l'histoire des écrans en Occident. J'ai commencé à faire une archéologie de l'écran, remontée par l'étymologie, par l'histoire de l'art, au début, quand est-ce que c'est apparu, quand est-ce qu'on a commencé à utiliser ce mot-là, quand est-ce qu'on a commencé à désigner des objets par le terme écran. Et en fait, on peut remonter au 12e, 13e siècle, à l'écran de cheminée. Puis petit à petit, les escraniers, les fabricants d'écrans, se sont éclatés avec des encres de sympathie à faire des jeux avec la chaleur du feu qui faisait apparaître des dessins, puis qui disparaissaient. Puis ils ont finalement complètement détourné cet objet de son aspect fonctionnel pour en faire un objet de divertissement. On en est arrivé petit à petit à utiliser le terme écran dans plein de domaines, dans le domaine médical, dans le domaine scientifique. Concrètement, qu'est-ce que tu as découvert dans tes recherches ? Au début du 20e, on a vu une profusion d'ouvrages qui utilisaient le terme écran pour désigner le cinéma. Donc il y avait vraiment un aspect métonymique et vraiment un lien très fort entre écran et cinéma. Et puis petit à petit, avec l'arrivée de l'écran d'ordinateur, la télévision, des téléphones portables et de tout un tas d'autres écrans, ça a perdu de sa pertinence. Et donc on a commencé à voir émerger toute une littérature autour de les écrans sont partout. Le langage va pas assez vite par rapport au développement des technologies et qu'il y a vraiment une réflexion à faire autour de faire se rejoindre la technique et la nommer et qu'est-ce que ça peut amener comme problème de société quand on n'a plus les mots pour parler de ce qu'on fait. Et on utilise le même mot pour des objets qui vont faire écran et au moment où ils font écran on les appelle écran. Et pour des objets qui seront tout le temps des écrans. Oui, parce que par exemple, le stylo. Sans séparer, en fait, c'est juste pour ancrer et séparer et organiser l'espace. C'est une question d'organisation de l'espace. Les lunettes. Ouais, ça fait écran entre tes yeux et puis le soleil qui pourrait les abîmer tes yeux. Les Game Boy. C'est un écran dédié au jeu. Tu joues beaucoup ? Ah, ça m'est arrivé. C'est vrai ? Et vois-tu le temps qui passe autrement, dans ta vie comme dans tes objectifs ? Je vois tout ce que j'ai traversé, tout ce que j'ai appris, et je suis bien contente d'avoir quand même pris cette décision, malgré le fait que ce soit vraiment dur de ne pas avoir de financement et de se débrouiller toute seule. Pour pouvoir vivre, j'ai monté un cabinet de conseil dédié à la valorisation des profils art, culture et sciences humaines issus de l'université. C'est pas une question de centre de la vie, mais ça prend beaucoup de place.